Et salut à tous, c'est Steph, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur FIFA 14 avec le Leyton Orient. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer un petit peu le championnat avec un match contre Everton, la fin du mercato, un match contre West Bromwich Albion et un match contre Aston Villa. Il y a peut-être un match de coupe qui va se foutre au milieu là, peut-être. Peut-être, après on aura du Chelsea. Chelsea, Manchester, Liverpool, allez bim! Dans ta gueule! Bon. On va déjà continuer un petit peu notre mercato, essayer de vendre Jones qui veut partir. Donc, conférence de presse, on n'a rien à foutre. Pourquoi une conférence de presse? Ah oui, c'est vrai, on a le match contre Fulham. Oh putain! Ah, j'ai eu le... Oui, match contre Fulham, Everton, je l'avais même pas vu. Et West Bromwich Albion, pardon. J'avais pas vu le match contre Fulham. J'étais dessus, mais j'avais pas vu. Donc, on va se lancer dans ce match. Ouais, ça serait bien de vendre Jones. Du coup. Alors, peut-être que ce qu'on va faire, c'est que. Soit j'achète un autre gardien, ou soit j'en prends un en prêt, juste pour la saison, et voilà, je garde mon doigt. Peut-être, oui. On m'a dit, arrête d'acheter des joueurs. Oui, non, mais je sais, mais j'ai pas rien, moi. L'équipe a besoin. On a Cuthbert qui commence à se faire vieux. Donc, Jones, il est à 66. Il était pas 62 saisons passées. Attends, on va avoir un petit rapport d'équipe, parce que. Il était pas 62, Jones? Non, il a pris que plus 1. Intérêt montré par FC Barcelone. Ah ouais, ah, j'aimerais bien savoir. Parce qu'on m'a rien dit, moi. On m'a rien dit. Putain, il a 66. Il n'avait pas 62 quand je l'ai acheté? Parce qu'il a bien monté saison passée. Alors le salaud. Le salaud. Le chalico. Donc voilà, 66. Donc j'ai mis Isgrove. Je l'ai mis là. Hein. Même s'il n'est pas milieu central de formation. Il est plutôt milieu bien milieu droit. Mais je l'ai mis là pour test. Hein. Avec donc Watt Prowse, son ancien collègue. Et donc Winslow en sentinelle derrière. Toujours Bossetti, ouais, ça c'est fini, ça change pas. On doit donc en plaçant Maggio. Leonardo, David et Maggio. C'est un Italien, ouais. Qui est très très bonne, très très bon geste technique, très très bon mauvais pied, alors que c'est un défenseur central, bordel, on lui demande pas ça. Une forte contribution offensive, d'accord, on le saura. Il est assez grand en plus. Peut-être intéressant ce garçon d'agent libre, donc gratuit. On avait pris lui aussi à l'épisode précédent. Un Argentin de 18 ans, un agent libre aussi, qui est très petit. Mais qui pense qu'il fera le taf. Après, oui, donc en défenseur central, j'ai juste Fiola. Et donc notre ami Maggio. Que j'ai là. Et donc ça fait que si jamais je devais avoir, par exemple, admettons, hein, je devais avoir Baudry ou Cuthbert qui se blessent, j'aurais plus que Maggio et Fiola en remplaçant. Alors après, bon. C'est vrai que je peux toujours faire descendre Winslow en défenseur central. Ça peut toujours se faire. Donc on verra bien. On verra bien. Peut-être qu'il faudra quand même qu'on prenne un. Je prendrais bien peut-être un petit défenseur central en plus. Peut-être en prêt pour le moment. Ou voilà, où on verra. Donc on va faire ce match contre Fulham. 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 On se trouve Fulham là. On va les faire jouer en couleur alternative. Pas qu'il y ait de problème. J'ai changé la caméra, au fait. Ouais, sans qu'on fait... J'ai pas vu s'ils étaient en forme, en fait. Ouais, tout le monde est en forme. Ça va très très bien. Oui, j'ai changé la caméra. J'ai mis une caméra un petit peu plus éloignée. On revient à nos premiers amours. La caméra éloignée. Oh, elle était jolie, celle-là. Elle était jolie, dommage que c'était la barre. Elle est trop sur le gardien, ça, là, mon garçon. Apprends à tirer. Apprends à tirer, monsieur Phil. Oh, elle était jolie, celle-là. Oh, la pleine lucarne, elle était belle, celle-là. Un bon petit placé. Allez, Bonjour à on est en tous, première ligue, bienvenue au deuxième stade match de la Francis Bourg. saison régulière. Ce match. Bonjour, À la maison. Premier match à la Coupe maison. Ouais, premier match à la maison, oui. Oui. Au programme, la Oui, parce qu'on est allé qualification gagner à pour ce Newcastle. tour Oui, des quarts de deux buts à finale. un, in extremis. Donc là, c'est Fulham. C'est un petit peu Un plus appel facile que pour Francis Newcastle. Mumple Sur aura le l'appel papier. arbitré. Sur le papier, je dis bien, parce que bon. En vrai, c'est pas forcément ça. Jones. On espère vendre, hein, quand même. Hein. Essayer d'en tirer un bon prix, ça veut dire que vous voyez, la caméra est bien plus Appel pour éloignée. l'arbitré, c'est parti. Mais j'aime bien avoir la caméra un peu éloignée. J'aime bien. Ah, merde. J'ai foiré mon coup. Je voulais faire une passe, mais. Et bien au contact. Ah, la faute. Faute, estime Faute de qui? l'arbitre. De moi.
Faut 2 mois, oh, c'est dégueulasse, tu m'avais pas. Non mais l'avantage d'avoir une grande caméra comme ça, c'est qu'on peut bien voir le terrain de très très loin. Allez, Boss City. Ouais, là, il pouvait rien faire. Il était enfermé. Oh non, Jones, qu'est-ce que tu m'as fait? Il était parti du bon côté, puis après il est reparti du mauvais. Allez, bien joué, ça, c'est bien joué. Oh, John, c'est quoi ce centre minable? Non, c'était vraiment un centre minable. Ouais, très bonne passe à l'adversaire sur ce coup-là. Oh, c'est sévère, monsieur l'arbitre. C'est sévère. C'est chaussure contre chaussure. Ce centre qui ne donne rien et l'adversaire peut repartir. Ouais, ça va pas sortir, ça. Non, c'est ça va pas sortir. Ah. Interception, bien joué. Voilà, grosse patate de loin. C'était quoi ça, mon garçon? Hop. Hey. Le ballon qui n'est pour personne, finalement. Bien joué, Cuthbert. Bien joué, ça, le bon débordement sur le côté. Ah, oh, la volée, elle est magnifique. C'est la 21e minute, pardon, l'ouverture du score de Sassé sur cette sublime passe de Fine au-dessus de la défense. C'est ça, hein, c'était Fine. Elle était belle, celle-là. Hop là, le défenseur qui est trop court. Je pensais qu'il l'avait, le défenseur, en plus. Mais franchement, elle est belle. Hein. Elle est magnifique, celle-là. Un petit like si vous avez aimé le but de Sassé. Ça fait toujours plaisir. La belle reprise là. Et ça nous permet de mener un petit but à 0. Ah merde. Ça, j'étais sûr que ça allait pas passer. Ah, ça c'est bien. Ouh. Ouh, qu'est-ce qu'il a fait le garçon? Il s'est bien vautré la gueule là. Je me suis dit merde, on va pas faire me taper un pénalty ce garçon. D'ailleurs, en fait, oui, tiens, chose importante, j'ai désactivé les mains. Alors, plus de problèmes de pénalty litigieux dans la surface ou des conneries comme ça. Allez, un bon débordement de Sassé peut-être pour le centre de Bossetti. La tête et le but de Bossetti. À la 22e, le défenseur qui s'est totalement troué là. Le défenseur qui s'est totalement troué sur sa tête. Et Bossetti qui arrive à mettre la touche. Je sais pas comment il a fait pour se trouver comme ça d'ailleurs. Parce que là, ouais, il est trop court. Le défenseur est trop court. Il était un millimètre trop petit. Et Bossetti derrière, il avait bien suivi. Bah c'est super, ça nous permet de mener 2-0. De faire le break face à Fulham. En 10 minutes presque. Oh, ça c'est pour Jones. C'est mon petit Jones. Non, franchement, Jones, c'est pas un gros gardien, mais je trouve que c'est un gardien qui assure quand même le taf. Hein. J'ai vraiment pas de problème avec lui. Allez, Forêt Toumassi qui est rapide. Il est rapide, garçon, il est rapide. Allez, on va encore attaquer avec un centre, on va aller au bout. Oh, oh là là. Oh, n'importe quoi. N'importe quoi, mon garçon. N'importe quoi, c'est nul. Je te fous un pain dans ta gueule à la mi-temps. Ah, il a touché le ballon de la main, mais c'est rien à plus. Oh, il s'est vautré tout seul, monsieur l'arbitre. J'ai rien fait. J'ai à peine éraflé. Je sais pas rien, c'est les attaquants de Fulham, c'est les cartons. Ah, dommage. Allez, contrer, allez pour nous. Allez, est-ce qu'on peut jouer vite? On peut pas trop jouer vite. Ah, dommage. Ouais. Bien intercepté là, parce que là ça passait. Jones s'est retrouvé en bonne position. Allez, Cuthbert pour la course face à l'adversaire qui court aussi très vite. Tout aussi vite que Cuthbert, c'est-à-dire aucune vitesse. Ah, dommage. Ça passait, ça pouvait être intéressant aussi. Un bon ballon à exploiter là.
but en plus. Il va le passer à son collègue là. On le voit bien là, le centre. Bien dégagé ça. Dégagé, c'est bien. Bien dégagé. Ah oh, merde. Ah oh. Qu'est-ce que tu vas lui donner le ballon toi? Tu vas te calmer là. Heureusement que tu te rattrapes bien. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Avec ce petit break, ce mini break de 2-0. Qui fait plaisir. Qui fait plaisir au moral. Allez, deux tirs, deux cadrés, deux buts. Bim. Voilà comment ça marche. Les joueurs sont de retour pour bon, il faut quand même se méfier de Fulham parce que bon, on peut toujours. Voilà. Ouais, coup franc de moi en plus. Enfin, faute de moi. Il va jouer en bas. Il va jouer en bas. Je l'avais vu le garçon. Bien joué, John. On va le mettre là parce que. Bien joué parce que le garçon il l'a mis où... il l'a mis là où j'avais mon joueur quoi. Allez Biel, elle est belle. Il est tout seul, Bossetti, il est tout seul. La frappe. Oh là là, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, Bossetti, mon pauvre? Je lui demande un tir en finesse là. Je lui demande un tir en finesse, le petit garçon là. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a en balancé une grosse prune. Ah, c'est un peu trop juste ça. J'ai vu la course de Sassé, je me suis dit oula. Bien joué. Ça c'est court. Ouais. Oh putain, mais. Isgovor là, faut y aller là. Isgrove, pardon. Isgrove. Je sais même pas comment ça se dit. Son nom, ça, ce pauvre garçon là. Ça c'était bien joué. On va renvoyer là-haut. Allez, c'est bien. En plus, on s'en sort. On s'en sort, on est des pouilleux. Oh, elle est bien, elle est partie en plus, elle est partie pour Finn. Elle est partie pour Finn. Finn qui se bat et Finn qui frappe. Et le gardien qui dévie le ballon. Bien joué de la part de Finn. Bien joué, il s'est fait arracher le maillot et le slip aussi en passant avant de frapper. Mais c'était bien joué. C'était bien joué. Allez, Bossetti. Bossetti au corner pour la tête de Baudry. Ça va pas passer. Et ça va dégager pour Follam. Ça revient sur le gardien, ça fait des bêtises. Allez. C'est qui? Alors qu'il nous fait des. Il nous fait des trucs de. Des trucs de malade, des gris-gris magiques. Allez, on va envoyer. On a vu Finn qui est tout seul. L'avantage d'avoir une belle caméra comme ça. Oh! Ah, oh, j'aurais dû frapper direct avec Finn, mais j'avais peur qu'il ait pas un bon angle. Je me suis fait un petit peu fauter, monsieur l'arbitre. Là aussi, pareil, y a pas faute, monsieur l'arbitre. Allez, la passe. Oh, bien joué ça. J'ai cru que j'allais me faire intercepter. Oh, allez, jolie ouverture au plein centre, la plein axe. La frappe de Sassé. Et le gardien qui vient sauver son équipe. Très très bien là. Il était tout seul, Sassé. Il était tout seul au plein centre. La défense était totalement à l'ouest. Et la bonne frappe, je crois qu'elle a été cadrée en plus. Allez, on va essayer de le tenter un petit peu plus vers l'intérieur. Non, ça passera pas. Et ce sera dégagé par la défense. Et on va suivre. Allez, Cuthbert. Cuthbert qui va renvoyer là-haut. On va programmer. Par contre, peut-être quelques petits changements. On va faire entrer peut-être Monsieur Scapuzzi. Scapuzzi devant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire permuter Monsieur Isgrove là-haut. Et on va faire entrer Monsieur Pizarro. Le petit Lipiti Pizarro. Si on a le temps, hein, si on a deux secondes, hein, parce que sinon on ne fait pas les changements. Devant son public. Si on a deux minutes, on fera ça. Merde, il y avait une belle ouverture devant là. Ah non, elle était beaucoup plus bas, mais c'est pas grave. Ah. La défense qui commençait à s'enfoncer un peu avec ce ballon. Allez, il faut montrer le jeu de Leighton.
Leighton a un bon jeu. Ouais, Grover, ils ont déjà permuté les garçons. Oh. Ouais, je pense pas qu'on aura le temps de faire les changements avant la fin du match. Déjà 86e. Ouais, bah c'est vrai qu'on finalement on domine quand même ce match. On a quand même une belle petite domination, ça fait plaisir. Ah, dommage. Elle est un petit peu trop longue. Ah, celle-là, elle est bien placée. Mais Baudry veille. Et ça revient sur Cuthbert pour Finn. Et on n'aura pas le temps de faire nos petits changements. Allez, Finn. Ça, c'est... Putain, c'était pour ça, c'est plein axe. Il était tellement bien placé. Non, ça, entre les deux. Entre les défenseurs, là, ça n'allait pas passer, ça. Alors qu'ils avaient jeté la tête plongeante là sur le milieu de terrain, mon joueur. Et c'est la victoire de 0 contre Fulham. Ça fait plaisir, on n'encaisse pas. Voilà, c'est très important. Il faut dire que Jones n'a pas eu trop à s'employer. Hein. On a assez largement dominé. Ça, c'est homme du match. Voilà, une passe décisive et un but de Sassé. Un bon petit match, on a fait un bon petit match. Gardien. 7-4 Jones. Il a pas fait derrière. Si, il a capté 3 ballons. Ah ouais. Ah, j'aurais pas dit ça comme ça. J'aurais pas dit 3 ballons. Moi. Bon, mais toujours est-il qu'on est deuxième. Deuxième de première ligue. Totalement. What the fuck. Nous estimons qu'il ne vaut pas autant. Nous estimons qu'il ne vaut pas autant. C'est-il qu'on a 30, d'accord. Changement positif. Pourquoi ? Toujours du changement positif. Donc ils accepteraient Kader, ouais, mais du coup Kader, je suis pas sûr de le vouloir parce que j'ai déjà acheté un milieu droit. Et j'ai que 600 000. Normalement j'ai juste les moyens de le prendre, mais on va pas tenter le diable. On va faire passer un petit peu de temps pour Jamie Jones, 275. Hey. Je le fais à 400 000. Promotion. Quand même. 450 000, promotion quoi. Sinon, ils vont le vendre tout seul. Tant pis, hein, autant gratter. Hein. Autant gratter, hein, 300 000. C'est pas mal, 300 000. Allez, Villarreal, tu peux pas aligner 400 000 qu'il ne faut pas autant. Eh ben, ta gueule. Il faut pas autant, eh ben, ta gueule. Ah, d'accord. Ok. Jamie Jones. Du coup, ce qu'on va faire, Cardiff, on va proposer 500 000. Non, bah tant pis, on l'aura vendu à 400 000. Et là, on va avoir une belle offre à 500 000 dans 240. Ça va, on ne regrette rien. On va mettre 500 000 juste pour le fun parce qu'ils vont pas pouvoir répondre hein, parce qu'on l'a déjà vendu. Donc, on va gagner un petit peu plus d'argent. Ça fait plaisir. Et Jones ne sera peut-être pas là pour... Posté sélectionneur de Équateur, non merci. Joueur vendu. 350 000 balles. Match décalé contre Manchester City. Contre Manchester City, pour quelle raison? Pour aucune raison. Pour aucune raison. En fait, pour aucune raison. Ouais. Ah si, ça doit être Manchester City, du coup, qui doit avoir un match de coupe ou une connerie comme ça. Donc on se retrouve avec 942 000 et 12 000 de budget salarial. Que va-t-on faire? Que va-t-on faire? A-t-on besoin de quelque chose de particulier par un défenseur? Et du coup, j'ai plus de gardien. Voilà, c'est Ondoa qui devient le gardien remplaçant. On va mettre Larkins quand même. Parce que bon. Personne ne veut m'acheter Larkins? Personne, t'es sûr? Là, lui, je veux bien le vendre pour 40 000, 30 000 si vous voulez. Je m'en fous, mais je veux bien le vendre. On va voir s'ils ont. Non, pas des défenseurs centrales. Qu'est-ce qu'il y en a comme gardien sur la liste qui aurait déjà peut-être... Ouais, mais il n'y a pas grand-chose. Bounou, 8000 euros de salaire. 8000 euros, ça fait beaucoup. Ils gagnent 3000, mon garçon. Donc, faut pas non plus leur donner des... Faux espoir, 8000, ça fait cher un peu. Ça fait cher, hein? Cher, bande de salon. Sinon.
Ah si, 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 sinon... Ouais, peut-être un défenseur, il me faudrait. Un défenseur et un gardien, ce serait peut-être pas mal. Parce qu'en attaquant, qu'est-ce que j'ai? J'ai Carole, que je veux vendre. J'ai Falcinelli. J'ai Scapuzzi. J'ai Sassé. Et après, sur les côtés, j'ai Bieler, McLaughlin. Et après, qu'est-ce que j'ai après? Gorman, je vais peut-être le garder. Gorman, du coup, pas le prêter. Gorman et Camilo Ries, peut-être les garder aussi. Chez Azog, Omga, Dubajo. Dubajo qui est toujours en blessure, d'accord, c'est pour ça. Peut-être un petit défenseur central pour la petite sécurité. Et un gardien. Et Larkin, il faudrait vraiment qu'il aille à la poubelle. Parce que bon. Alors, si j'avais. J'avais des bons joueurs là. Je peux pas acheter. Je crois que je pouvais plus acheter. Hein. On va essayer. Le 625 000. Mais je crois que. Je crois qu'ils voulaient pas les vendre. Hein, parce qu'ils viennent tout juste d'arriver, une connerie comme ça. Après, sinon, on pourrait en prendre un prêt. Un des deux. Après, il y en avait un qui était pas mal aussi. C'est lui. On va s'informer. Je sais plus s'il est à vendre ou pas. Donc, on va faire ce match contre Everton. Everton, on va jouer couleur extérieure parce qu'on n'a aucune pitié et on va les faire jouer en couleur domicile parce que ça ira très très bien. On va voir la compo d'équipe, voir s'il y a des trucs, des gens fatigués, ce genre de choses. Larkins qui est pas content, et eh ben va te faire foutre, va te faire foutre. Ouais, on a besoin quand même d'engranger un petit peu de points donc on va laisser l'équipe type. Isgovor m'a. Isgrove, ah, putain, Isgrove, n'importe quoi, à chaque fois je dis que de la merde. Je vais peut-être faire jouer Pizarro de base, à la place de Isgrove, parce que Pizarro peut jouer, voilà, MC, MDC. Ouais, peut-être Pizarro, me mettre Pizarro devant, parce que l'autre, je sais pas, au milieu je l'ai pas trouvé top en fait. Isgrove, je l'ai pas trouvé top, le garçon. Je l'ai pas trouvé top. Et Finn au tir au but face à des poubelles. Bonjour à toutes et à tous. Allez, on joue Bienvenue dans cette à Everton. première ligue pour une nouvelle journée de championnat. Enfin, non, au club d'Everton. Au Au stade du club d'Everton, bordel. T'as compris. Franck, un petit mot sur l'équipe visiteuse. Énorme satisfaction Énorme. pour cette équipe qui a fait le plein de points Et lors des oui. deux premiers matchs. Et pourtant, hein, elle ne vise que le maintien. Eh ben ouais, parce que nous, on est comme ça, nous. On est comme ça, nous. Allez, ça c'est qui? Oh, dommage. Oh, c'est qui cette grande gigue là de milieu? Il y a un monsieur touffu en plein centre là. Enfin, il est pas en plein centre là, il est un petit peu décalé là-haut. Mais... Vous l'avez vu, vous l'avez forcément reconnu. Enfin, pas reconnu, mais remarqué du moins. Qu'il y a un grand touffu là-haut. Pizarro. Waouh, Venslow. Qu'est-ce que vous faites là, Venslow? Baines. Ça va être chaud. Déjà, je sens que ça va être chaud. Parce qu'Everton, je les sens plutôt pas mal. Bon, on est quand même en première ligue. Hein, donc, faut pas déconner. C'est un peu normal si on prend des défaites, si on prend des buts. Il faut essayer de bien se démerder un maximum. Oh, penalty, non! Penalty, non, je suis allé au contact, quoi. J'ai même pas appuyé sur. Sur mais je suis juste allé au contact, quoi. Ah, je vais prendre un penalty. Putain, il est petit en dos. Ah, en plein centre. En plein centre et 14e minute d'ouverture du score d'Everton. Et ça commence. Putain, il est tout petit en dos. Ah, je suis déçu. C'est vrai que je regarde pas souvent les tailles en fait. Pour un gardien, c'est quand même bien d'être grand. Allez, Pizarro, Pizarro qui est là, Pizarro qui s'arrête, Pizarro qui repique, qui repasse pour la frappe ratée à l'égalisation de Bossetti à la 18e. Passe décisive de Pizarro, j'ai bien fait de faire jouer le garçon. Voilà, la réaction immédiate de Leighton. Avec cette bonne combinaison entre Pizarro et Bossetti, c'est passé à la limite quand même. Hein. À la limite et la petite frappe à terre. Bien joué Bossetti, l'égalisation. Un partout face à Everton. Bim! Allez, ça c'est.
L'impact physique de Sassé, même si elle n'en a pas vraiment beaucoup. Allez, Bossetti-Kerr, pardon, la profondeur pour la frappe directe. Et le deuxième, bim, le doublé de Bossetti en 2 minutes. Bon, j'ai eu de la chance. La barre, elle était sympa avec moi. Elle m'a dit, non, je vais pas faire ma pute. Je te la mets, celui-là. Et voilà, ça fait 2-1 face à Everton. Le match totalement retourné. Passe de Sassé ce coup-ci pour la frappe directe de Bossetti. Et la transversale rentrante. Magnifique. C'est l'avantage qui est donné à Leighton. Allez, on fait la même. Presque. C'est pas une nouvelle recrue. Allez, Bossetti, nouvelle fois qui se retrouve tout seul. Tout seul, Bossetti. Bossetti qui va donner à Finn. Finn qui perd le ballon. Ouais, Finn qui perd le ballon. Allez, Winslow, je la voyais pas aussi loin, mais c'est pas grave, on va rejouer sur Finn. Finn sur ça, ouais, mais non, mais ça c'était une passe au gardien, ça, Finn. Puis ça, c'est, il est allé repiquer côté hors-jeu plutôt que côté surface, centre de la surface, qui paraissait quand même plus intelligent dans les piquets côté centre de la surface, mais enfin bon. Qu'est-ce que tu vas aller chercher une profondeur aussi loin? Enfin, quand t'es comme ça, quoi. Allez, Finn, la course de Finn. Oh! Le tacle, le monsieur il m'a taclé dessus là. Quel salaud. Kevin Miralas. Ah, il joue à Everton. Miralas, il s'approche du but. Hop là, j'ai failli le voir. Allez, faut pas s'enflammer, faut pas surtout pas les laisser. Contre ce ballon. Ouais, ça c'est vraiment pas de bol. Il va devoir protéger son ballon. Oh putain, mais ça non plus c'est pas de bol parce que c'était pour Sassé, une passe directe pour Sassé. Et ça touchera personne. Allez, pour Pizarro. Allez, pour Sassé. On est trop dans le même endroit là, les enfants. Là, il faut un petit peu se... Allez, pour Jones. Sur Jones en bas. Allez, la passe pour Finn, sur le côté. Finn, est-ce qu'il sera pas trop court? Non! Pourquoi il a pas arrêté le ballon, ce con? Il a touché le ballon, il a pas arrêté. Il l'a laissé sortir. Fais exprès, Finn. Mon garçon, fais pas le con. On est plutôt bien dans ce match, là. On était mal parti, mais ça va, on a pris un... Finalement, pour l'instant, on a pris que 2 buts sur pénalty. Hein. Sur phase de jeu, on prend pas de but. Hein. Comment ça, faute? C'est sévère, monsieur l'arbitre, c'est sévère. Monsieur aussi, là, il a des jambes de 15 mètres aussi. Alors, tu m'étonnes que je lui envoie le ballon dans les jambes, ouais, des fois. Il fallait intervenir, c'est bien. Bien joué. Pizarro, il est petit, mais il a pris un prix. Et c'est la mi-temps. Sur ce court avantage face à Everton, 2-2. Putain, c'est le but. Hein. Ça fait 2-1. À la mi-temps. Doublé de Bossetti. Ouais. Ouais, pour l'instant, ça se passe bien. C'est vrai qu'il est petit en dos. Hein. Putain. J'en fais mal. Ah ben, ouais. On est tous les deux exacts. Un tir cadré, un but. Deux tirs cadrés, deux buts. Pour l'instant, on est tous les deux bons. C'est reparti donc pour la... On n'a pas tiré plus que ça. Et non, on n'a pas pu. Ouais. Chercher à être en bonne position. Allez, ça c'est bien envoyé vers la grande gigasse là. Ouais, ça. Ouais, ça c'était un petit peu juste. Allez, Pizarro. Non, te mets pas derrière. Bien joué. Allez, Ward Prowse qui envoie sur ça c'est qui envoie tranquillement sur Finn. On va prendre notre temps là. Eh, monsieur l'arbitre là, il m'agresse le garçon. Là. Allez, on va envoyer sur Sassé. Sassé qui va envoyer sur Ward Prowse qui est parti là-bas. On ne sait pas pourquoi. Ward Prowse qui se fait totalement violer là en entrée de surface. Monsieur l'arbitre, il faut arrêter maintenant. Il faut arrêter de privilégier monsieur Everton. Toi, t'as pas envie de te faire casser la gueule à la sortie du stade. Moi, je veux pas savoir que t'es pas envie.
bien joué. La bonne défense. Bien joué ça. Bossetti qui envoie sur Fine. Fine qui se débarrasse de son défenseur et qui part tout seul face au but. Il a poussé trop loin son ballon. J'ai appuyé sur les trucs en bas. C'est pas grave. C'est dommage. Il a poussé trop loin son ballon comme si c'était un script. Comme si on lui avait dit, tu toi, dans cette situation, qu'est-ce que je fais? Je pousse mon ballon un peu trop loin. Là. Attention à ce centre. Bien joué. Dommage. Un bon ballon d'attaque perdu. Allez les gars, restez bien concentrés. Ouais, le ballon qui circule bien. Attention au centre tête but. Hein. Parce que ça fait mal, on connaît. Oh, le bon centre. Voilà, là il n'aura pas. Ah mais putain mais faut y aller Ward Prowse. Elle est belle. Elle était belle celle-là en plus. Elle était belle et c'est Bossetti qui part mais qui part qui se fait rattraper et qui donne le ballon au défenseur parce que c'est rigolo. Hop, on va peut-être se prévoir des petits changements. Alors qui est fatigué? Ward Prowse est fatigué et c'est Monsieur McLaughlin qui va rentrer à sa place. Qui c'est qui a l'air fine, a l'air fatigué. On va faire entrer Monsieur Bieler. Et pour l'instant, ça grade bien. Un remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Et bien en contact. Bien joué, Cuthbert, il est costaud quand même. Hein. Il est costaud le garçon. C'est qui m'a fait ça? Winslow, tu te fous de ma gueule. On s'approche du but. Ça s'est bien envoyé, il est tout seul le monsieur au centre. Il est tout seul. Et ouais. Et oui. Ça se sentait ça, je le voyais arriver. Il était tout seul lui. Et il a une fois de plus justifié sa réputation dans le jeu aérien. Il fait ce qu'il veut, hein. Vraiment de la tête. Très bonne anticipation. Et là, Ondoa qui bouge pas. Hein. La trajectoire du centre, la détente est parfaite. Petite faute de la défense là, un peu. Hein. Parce que là, le mec il s'est baladé tout seul. Je l'ai vu, hein, il est oulala. Lui il va faire au second poteau au fond. Il est tout seul, garçon. Et puis il est grand. De partout, mais c'est pas mal. Allez, on a envoyé McLaughlin. McLaughlin, la frappe croisée. La frappe croisée qui passe pas, c'est dommage. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis McLaughlin. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, je suis en train de me dire, putain, mais j'ai mis McLaughlin à droite. J'ai fait une grosse connerie. Ouais, on va prendre un autre tête centre tête but là. Là je le sens bien. Ouais voilà. Ah putain. Ils prennent l'avantage. 3 buts à 2. On va faire un petit changement. Encore une fois. Et on va faire sortir Monsieur Bossetti et on va tenter de faire entrer Monsieur Isgrove sur le côté droit là-haut. Bon, on va essayer d'égaliser dans les dernières minutes. On n'a rien à perdre dans le try-off. L'équilibre est parfait là au moment de la frappe. Imparable. Et c'est finalement un poteau entrant. Le ballon heurte l'intérieur du poteau avant de pénétrer dans les filets. Et ouais, sauf que là les garçons, je n'ai pas de mouvement. Je n'ai pas de mouvement les enfants là. J'aimerais bien avoir une grosse ambiance ici en effet. Il faut dire qu'il y a peut-être un bon coup à jouer. C'est un peu trop long ça. Ah, ça c'est pied haut. C'est pied haut, c'est faute et carton là, monsieur l'arbitre. On fait pénalty déjà. Dans la vraie vie, tu fais ça, tu prends un gros pénalty et c'est fini, ben, c'est la défaite. C'est la défaite assez honteuse quand même, hein. C'est la défaite un petit peu dégueulasse. Parce qu'on a quand même bien tenu. Mais bon, c'est dommage. C'est dommage, perdu 3 à 2 face à Everton. C'est pas mérité. Franchement, je trouve que c'est pas mérité. Homme du match, Bossetti. 8-1, ouais, c'est dommage. Vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous dis à très bientôt. Ouais, Ondoa, il a vraiment pas été bon. Putain, le pauvre garçon. Le pauvre garçon. Je crois qu'on va prendre un gardien en prêt. Je crois. Transfert rejeté. Oui, c'est vrai, voilà, c'était ça. C'était bien ça le problème. Alors, ce qu'on va faire, les enfants. On avait des garçons qui avaient l'air intéressants. Lui. Et lui qui avait l'air intéressant. Bon, mais ils sont jeunes, quoi.
C'est quoi ton salaire, mon garçon? 4000 euros, je te prends. Prêt pour toute la saison. Non établi. Non établi. Allez, option d'achat. Option d'achat d'un million. Titulaire important, il est. Putain. Carrément, le mec il a 19 ans, il est titulaire important. Et en défenseur central. M'a pas répondu si il était à vendre, le garçon. On va dire 400 000. Mais je te le prends à 400 000. Joueur appelé en sélection, on s'en fout. Transfert rejeté. Ah oui, c'est vrai. Voilà. D'accord. D'accord, tu pouvais pas me dire ça avant. Aïe 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 aïe. Ah, je suis déçu par Rondo qui soit si petit en fait. Et il a pas été bon, pas du tout été bon pour son premier match. Un 94. C'est un 94 aussi. Bon, j'aimerais bien avoir la réponse assez rapidement. J'hésite. J'hésite entre le garçon d'Auxerre. Il a 19 ans. Ce qu'on va faire, on va. 7000 balles, quand même. Le salaud. On va soumettre le prêt. On a encore des sous, donc on peut. On peut voir. Et sinon, on fait un prêt sur une valeur de. 300 000. Son achat de 300 000. Sur Lucas da Silva. Oh, mais un budget équilibré, hein, regardez. Des départs à 1 325 000. Et enfin, arrivé à 1 325 000. Non, mais arrête. Et départ à 1 320 000. Donc, on a quand même un budget très équilibré. Alors, ah, Jake Larkins, on se fait rejeter. Refuser, d'accord. D'autoriser, ah. Ok. J'accepte alors. J'ai pas les 1 million, mais j'en ai rien à foutre. Je suis pas obligé d'accepter l'offre d'achat à la fin, enfin l'option d'achat. Ça m'étonnerait que j'ai les moyens, mais sait-on jamais. Proposition de transfert pour Larkins. Allez hop, dégage. Dégage, mon garçon. Alors, qu'est-ce qu'il vaut celui-là? Non, c'est pas là. C'est dans équipe. C'est mieux d'aller voir dans l'équipe pour voir les gardiens. Alors, 65. C'est toujours mieux qu'on doit. Et même coûter une blinde, par contre, si je l'achète vraiment. On doit. Bah ouais, t'avais pas été très bon, mon garçon, donc. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait après? On a fait une demande. On a fait une demande de prêt, non? Je sais plus. On avait fait pour l'autre gardien, mais du coup, l'autre gardien. Ah, mais ils ont refusé, c'est vrai. Allez, on va le prendre en prêt. On va essayer en prêt. On peut toute la saison non établi. Allez, bim. On va essayer. On peut pas se décaler un peu plus d'argent. 19 000. Est-ce qu'on n'a pas du gros joueur en prêt? Je sais pas qu'on pourrait avoir en prêt. Pas sur la liste. Mais à prêter. Il y en a beaucoup. Merde. Peut-être pas trop jeune. Âge maximum 26 peut-être. Il y en a beaucoup. C'est bon. Non.
Non, 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 je ne vois pas des trucs qui me... J'ai combien d'argent? Ah, mais ça va faire trop cher. Si, si, bah, il y a tout simplement... pourquoi je viens me faire chier, moi? Pourquoi je viens me faire chier? À prêter ce qu'il y a là. Il sera peut-être pas... Un défenseur en Bundesliga, il y aura quand même un bon petit paquet. Il y a Jonathan Tah. On m'a dit qu'il était très bon, mais doté d'un énorme potentiel. Mais bon. On peut toujours s'informer. Mais non, je cherche tout simplement. Rien de ça aussi. J'ai entendu dire qu'il était pas mauvais. Je crois. Hein. Ah ben voilà. Il est là, le garçon. Il est là, le garçon. 25 000 de salaire, oh, le bâtard. C'est trop cher. C'est trop cher. C'est trop cher. Oh, bon, on aurait pu essayer de... 25 000 de salaire quand même. On l'a bien fait monter aussi, ce saligo là. Oui, je sais aussi qu'il a doté d'un énorme potentiel. Bon, allez, on va voir. Un million deux cent mille, tu te ma gueule. Camilo Reyes. Du coup, je sais pas si je vais le prêter. Joueur vendu, ça ok. Gestion d'équipe, parce que du coup, j'ai pas su débarrasser de joueurs, moi. Camilo Reyes, c'est peut-être le garder pour cette saison. On verra, ouais, Camilo Reyes, je le prête pas. 1 200 000, ça fait carrément trop cher. Putain, Gareth Bale qui est parti à Barcelone. D'accord. Ça fait quand même vachement cher. Si je propose moitié moins. Toutes ces offres que j'ai eues pour Dieu, c'est horrible. Je dois l'avoir dans ma liste prioritaire. Je suis un petit peu long, excusez-moi, mais c'est vrai qu'on arrête d'acheter des joueurs. Oui, je sais. Je ferai ça la prochaine fois. Jonathan Tah, 1 200 000, ils se foutent de ma gueule. J'ai 400 000. Ben, on peut taper 400 000. Hein. 7 000 euros de salaire, on peut taper peut-être un petit 500 000. Mais ta gueule! Dis pas ça! Dis pas que j'ai pas les moyens, toi! Hop, on va remettre un petit peu. Ouais, ça va carrément. Carrément, le garçon. Romain Carole, tiens. Ah là, par contre, je suis pas contre de le vendre. Allez, casse-toi, mon garçon. J'en ai un autre. Pour Camilo Reyes, non, je le rejette. Non, je le prête pas. Je préfère le garder, Camilo Reyes. Il est malheureux, mais ta gueule, hein? Pourquoi? J'ai demandé un prêt, bordel. J'ai demandé un prêt, juste. Ça va, je suis pas trop casse-couille, non? Je demande juste un prêt. Nous pourrions avoir une somme entre 1,5 million et... Ah oui, pour avoir une chance de cette transaction. D'accord. Eh ben, un prêt pour toute la saison, ils veulent pas. Oui, mais titulaire pas. Ouais, mais le gardien, ils m'ont bien voulu le faire en prêt quand même. Sinon, on fait une option d'achat. 1 500 000, parce qu'on est des gros salauds. 1 500 000, c'est sympa quand même, non? On fera pas l'option d'achat, mais on s'en fout. Johnny Gorman, non, je vais le garder. Je vais le garder parce que bon. Joueur vendu, j'ai vendu qui? Ah oui, Romain Carole. Mais... Transfert rejeté. Tu penses qu'il vaut plus que ça, mais tu te fous de ma gueule. T'as vu le garçon comment il est.
500 000, ça me fait mal au cul un peu. On va essayer 500. 600 000, je veux dire, ça me fait mal au cul. Allez, on va avancer un petit peu. Et on va voir. Oh. Espèce de bâtard. Espèce de bâtard. T'as déjà dit que t'étais un bâtard. Allez, on va chercher qui alors? On va chercher l'autre garçon. Ouais, mais lui, il est... On l'appellera Santos. Ça au moins. Allez, pour un prêt. Un petit prêt de Monsieur Santos. Santos. Doté d'un énorme potentiel, 450 000. Notre rivalé 625 000. On va donner un petit prêt avec un petit million d'options d'achat. Ouais, un petit million d'options d'achat. Neymar à Tottenham. Ils se sont échangés Gareth Bale et... Ah, 1 million 9. Non. Déjà, ça me fait chier, 600 000. Sûr qu'il les vaut largement pas pour le moment. De refuser, blablabla. Bon, bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un prêt toute la saison. Tu me le prêtes, s'il te plaît? Allez, s'il te plaît, fais pas ta pute. Inacceptable, la somme est trop faible. Mais je vais aller te faire foutre. Mais ça, on l'a déjà fait... Ah, bah ils m'ont pas répondu. Bah voilà. On dépensera pas notre argent pour rien comme ça. La date limite des transferts a expiré. On va revenir à un équilibre plutôt sympathique. Voilà, 60-40. Voilà, on va voir s'il n'y a pas des petits contrats peut-être. Camilo Reyes qui va être augmenté. 2 millions. 2 millions. Heureusement que c'est pas 2 millions. Pour 2 ans de plus. Allez, je te mets 3 ans de plus. Titulaire occasionnel. Fiola. De 150 pour un an, joueur de rotation d'effectif, c'est bien ça, monsieur Mark Logan. Ça va, ils sont pas gourmands, les enfants. Là. Ils sont pas très gourmands, ça fait plaisir. Joueur de rotation d'effectif, la même, monsieur Jimmy Gorman, joueur de rotation d'effectif, la même, pour 2 ans, 250, ça me paraît bien. On a un petit peu d'argent, on sait pas trop quoi en faire. Léanji qui voulait partir, ce gros pouilleux là. Mais il partira pas. Il partira pas le garçon, il partira pas. Titulaire important, j'ai peut-être un petit peu abusé quand j'ai dit ça. Sherat qui est en prêt. Actuellement en prêt. Il veut prolonger de 2 ans à un salaire de 2250 pour un titulaire en devenir. C'est bien ça, sauf qu'il est en prêt. Et il a accepté son offre de contrat d'un an de plus, monsieur Katberg. Et 2 ans et 10 mois, ça, on a encore un petit peu de temps. Allez, on va continuer pour faire ce 3e et dernier match. Tiens, il m'a envoyé le dernier rapport pour le garçon là. Putain, comment ils ont les moyens, Carlis, d'acheter un garçon comme ça, quoi. Accepter, accepter, refuser. Oh, accepter. Merci, coach. D'accord. Comme tu veux. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Gorman, il a refusé. Qui c'est? C'est l'Angie qui a refusé. On veut pas une augmentation. Bah, t'auras pas d'augmentation alors si c'est comme ça. Allez, un an de plus. Je te mets titulaire important juste pour te faire plaisir. Ouais, parce que du coup, il y a Monsieur John qui est passé devant toi. Au niveau du général. C'est ça. Lundi 64. Et ouais,
Carrément, mais John il a pris 67 maintenant le garçon. T'as 66 avant, on est d'accord? Il va falloir que je remplace ma défense centrale aussi. Le milieu ça va, l'attaque ça va. C'est la défense que j'ai le plus de problèmes. On a notre petit Forêt Toumassi là qui fait vraiment pas 159 de général. Alors le monsieur de la JOCR, doté d'un énorme potentiel, ça on le savait déjà. Est-ce qu'il a des bonnes stats? Est-ce qu'on a de quoi regretter? Ouais, lui aussi, ça sera bien. Ça sera bien. Eduardo Alvarez, ah oui, c'était sur celui-là. Ok. McLaughlin, ok. Tout le monde est content, ça fait plaisir. Qui c'est qui veut causer salaire? Dois jeter un oeil à ton salaire. Oh, attends, j'ai mal, j'ai un truc dans l'œil. J'ai un truc dans l'œil, je peux pas regarder. J'ai un truc dans l'œil, je peux pas regarder, mon garçon. Excuse-moi, mais. C'est pas que je veux pas, mais c'est que je veux pas, quoi. T'es où? T'es où, s'il te plaît, mon garçon? Dis-moi où est-ce que tu te caches. Si on a dit. Je suis sûr que soit je l'ai passé. Comment il s'appelle? Ah, il est là. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Oh, c'est tout. Oh, t'es pas gourmand, toi aussi. Ça va, ça fait plaisir. Ça va, ça vous a pas donné la folie des grandeurs, la première ligue. Titulaire indiscutable, oui. Sauf quand t'es pas blessé. Enfin, quand t'es. Voilà, sauf quand t'es blessé, justement. Et du coup, on a des sous. On a encore des sous. On a encore un petit peu de sous. On va pas le garder longtemps. Blablabla, sélectionneur de Chili. Non, merci, ça ira. Non merci, ça ira. On va essayer de se débrouiller déjà avec notre club, on verra bien après. Et on va faire donc ce troisième et dernier match contre West Bromwich Albion. On est septième de la première ligue avec 6 points. Deux victoires et une défaite. On joue contre le 18e qui a fait deux matchs nuls et une défaite. Qui a moins 4 en différence de but et nous on est plutôt pas mal, on est à plus 2. On a encaissé 4 buts. Eh oui, on en a pris 3. 3 surfaces de jeu et un. Enfin, même pas. 2 surfaces de jeu et 2 pénalties. On en a mis 6. C'est dommage. C'est dommage. J'ai déjà plus 11 avec Arsenal. Tout le monde a encaissé au moins un but. Allez, on va faire ce match contre West Bromwich Albion. On va jouer chez nous en plus. C'est quoi ce maillot classique là? On va le faire jouer comme ça ira bien. Hein. Et on va tester donc ce gardien, Schuker. Bah c'est Schuker. Cuthbert, le capitaine. T'es sûr de toi? Je suis pas sûr moi. Ah eh ouais, c'était Jones le capitaine. Eh bien, on va dire que c'est. On va dire que c'est Monsieur Baudry qui sera capitaine. On va dire que c'est Monsieur Baudry qui sera le capitaine désormais. Qu'est-ce qu'on a? Tout le monde est en forme pour le moment, donc on n'a pas forcément de raison de faire tourner. J'ai bien aimé Pizarro à la place de Isgrove. Pizarro, c'est quand même pas mal, une bonne petite pépite, hein, 67 de général, alors que enfin, c'était un agent libre. C'était. Oh la poubelle! Oh dans la poubelle! Trop bien, Fine. GG. Bonjour à tous et Allez, bienvenue West Bromwich sur Albion, on les a déjà joués en coupe le plaisir de au vous moins une centaine présenter de fois. avec Franck Sauzet qui vient de me rejoindre. Non, pas une centaine de Bonjour fois quand Franck. même, mais bon, on les a joués souvent en coupe. Au programme, Souvent, on les a battus. Entre Donc, il n'y a pas de raison. West Bromwich Albion. Votre ami Franck Bon, là, on est en championnat. Devant son public aujourd'hui. Belle surprise pour cette équipe qui réalise un bon début de saison. Oh non, l'arbitre! De jouer le maintien pour le moment. L'arbitre qui gêne mon joueur. La frappe! Et c'est le but! C'est le but! Mo City qui ouvre le score à la 6ème minute. Putain, j'étais dégoûté quand mon joueur il était gêné par l'arbitre. C'était horrible. Heureusement qu'après on a pu exploiter le ballon et marquer ce but à la 6ème pour l'ouverture du score. Bien joué. Putain, cette passe! Cette passe, je crois que c'est Pizarro qui met la passe. Cette petite frappe de Mo City là, qui est juste un petit peu détournée par le gardien du pied. Et ça rentre en plein centre. Voilà, plein centre sur le pied. C'est l'ouverture du score à la 6ème.
Allez, maintenant, il faudrait faire un petit break. Un petit break, les enfants, c'est l'heure du break. Have a break, have a Kit Kat. Prenez un Kit Kat, les enfants. Rocheux sur le gardien, c'est pas prudent ça, c'est pas prudent, il a failli perdre le ballon, le garçon. Allez, bien joué ça. Ça, c'est bien joué ça aussi. Bossetti pour la frappe, oh, dommage. Et c'est le but de Pizarro. De Pizarro, le but à la 11e. Le break, il est là. Dans le but vide. Après cette. Ils ont joué au feu. Ils ont joué au feu. Et Pizarro en a profité. J'aurais pu tenter une passe, mais j'ai dit allez, l'angle est encore bon. Il arrive bien comme il faut. Allez, on va tenter la frappe. Très très bien joué de la part de Pizarro. Cette belle ouverture du score. C'est bien, pas de faute, monsieur l'arbitre. Allez, elle est bien envoyée celle-là pour Watt-Plos. Watt-Plos qui se bat. Attention, pas commettre de bien joué. Bien joué, Watt-Plos. Qui était solide sur ce coup-là. Il a été solide, les garçons. Pizarro. Pizarro qui, décidément, il est vraiment. Il va vite devenir indispensable au milieu de terrain, le garçon. Parce que. Il est sur les deux. Il est à l'origine des deux buts. Enfin, à l'origine. À l'origine du premier, à la conclusion du deuxième. Chris Brown, c'est pas le même. Ah, le centre tête et but. Oh, bien joué, Cuthbert. Magnifique. Magnifique. Et on va renvoyer devant là. Watt-Prowse. Ah, Watt-Prowse, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, Watt-Prowse qui est gêné. Qui est gêné, monsieur l'arbitre? On va l'envoyer en bas. Eh oui. Bien joué de la part de Bossetti qui a très très bien suivi. Allez, bon, Pizzeron. Pour Sassé qui va envoyer sur Watt-Prowse qui envoie sur Finn. Bien joué, Finn qui est tout seul. La frappe de Finn. Et le troisième qui est là à la 28e. Le troisième qui fait plaisir sur cette contre-attaque. Magnifique, magnifique, 3 buts à 0. On vient de faire monter en différence de but. Pour le moment. Hein. Donc on en est qu'à la 28e. Ça sort, monsieur l'arbitre, ça sort. Je donne des petits conseils à monsieur l'arbitre de temps en temps parce qu'il a tendance à se planter. Ouais, celui-là, je l'ai vu. Je l'ai vu celui-là. Je l'ai vu de loin celui-là. On pourra pas centrer si je me mets là. Alors je. Ça c'est bien arbitré. Il doit pas être énorme. Ouais. Il est pas énorme. Il est pas énorme. J'ai de la chatte un peu. Déjà, il m'inspire déjà plus confiance le gardien après là. Monsieur Schuker. C'est un croate. Allez, Winslow, bien joué. Ah, il est hors jeu. Ah, il doit pas être hors jeu de beaucoup, hein. Encore moins que l'autre. Hein. Ouais. Dommage. Parti un petit peu trop tôt. C'était quand même une bonne chose. C'était quand même bien. L'intention était bonne, on va dire. On va rester sur l'intention. On va dire qu'elle était bonne. Pizarro. Allez, non, c'était pour Jones. Mais c'est pas grave, pour Jones. À chaque fois, je me plante. Ah! Oh! La double faute là, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, on va arrêter avec les doubles fautes comme ça. John qui a bien suivi. Bien joué de la part de John. Baudry. Allez, Baudry qui va décaler. Pizarro. Bossetti pour Sassé. Sassé. Oh là là. Je voulais faire une petite passe pour Bossetti là parce que j'avais vu qu'il avait pris l'espace qui était parti. Chris Brown. C'est pas le même. Bien joué, Winslow. Bien joué, Winslow. Oh non, la mi-temps. Oh, le bâtard d'arbitre. Non. Oh, le bâtard d'arbitre. Parce que là, il y avait Finn qui partait tout seul si je faisais la profondeur, la plein axe. Oh, quel bâtard, c'est ça.
hein, sur cette première période. Ouais, on a bien joué. Loin d'être inquiété, hein, pour le moment. On a bien joué, franchement. On mérite nos trois buts. On mérite nos trois buts. On a bien joué, des belles occasions. Et des beaux petits buts. Allez, bien joué, ça c'est. Un petit impact en début de mi-temps. Début d'engagement, ça fait toujours plaisir. Allez, pour John, on va. Ouh, ça passe ça? Oui, ça passe. Allez, pour Pizarro, c'était ça. Oh, non, c'était pas pour si c'était pour là-haut. Il y avait Sassé qui était très très bien placé, mon garçon. Pourquoi tu allais chercher la complication là? En voyant sur Bossetti. Sur Vince Lowe. Cuthbert va être replacé, mon garçon. Pizarro qui est partout, hein. Ah non, Pizarro qui va concéder le corner. C'est dommage. C'est dommage. Allez, on a 3 buts quand même. On a 3 buts, on est bien là. On est bien, même si on en prend un, c'est pas trop grave. Hein. On est bien. Ça passe totalement à côté. Allez. Belle détente quand même, mais ça suffit pas pour redresser complètement la trajectoire du ballon. Allez, son partenaire lui avait pourtant mis un bon ballon, mais il s'est. Un bon ballon, dis donc. Hein. Il a un petit peu moissonné son occasion. Hop là, on va revenir un peu derrière. Ça, c'est bloqué. C'est bloqué, c'est en chantier. Oula, par contre, ça, c'est là où je me dis, tiens, j'ai pas grand monde au milieu du terrain. Fin la frappe croisée. Elle était belle en plus, il était tout seul. Il était tout seul, elle était belle en plus. Hein. Regardez, hop, je contourne la défense tranquillement. Ça, c'est qu'il avait tout pris sur lui. Et il fait l'aggro. Il avait fait l'aggro. Allez, Bossetti au corner. Pour, ça va être trop loin. Watt Plows qui va récupérer, qui va balancer Pizarro. Sur Pizarro. Pizarro sur Aforetou Massi pour Finn. Finn qui n'est pas sur son côté. Ce sera la touche pour nous. Touche jouée par Sassé. Et ça c'est bien. Et ça c'est bien. Va, mets-toi plus loin. Mettez-vous plus loin, les garçons. Mettez-vous plus loin. Quoi. On va tenter de la jouer sur Bossetti. Voilà. Ouais. Un tacle très propre. Normalement, il me fait tomber avec un tacle comme ça. Je suis désolé. Logiquement, physiquement, il me fait tomber, le garçon. C'est obligé parce qu'il me tape dans le pied et tout en passant. Ah, mais putain, mais il la fout pas en touche, cette espèce de glandu. Bien joué. Impeccable. Bien joué, on repart. On repart. Oh putain, Vinslow. Le mur, quoi. Le mur, quoi. Le mec, ça rebondit sur un mec, c'est bloqué par les joueurs. Oh, Finn qui tombe. Forêt Toumassi qui est normalement après le ballon. Là, bien joué à Forêt Toumassi. Oui, il fait pas 159 de général, le garçon. Là, il s'est bien démerdé en plus, là. Là, tout seul, là. Il est tout seul. Et il n'est pas hors-jeu, Finn. Il va faire le centre, peut-être. Oh, tout le monde s'est cassé. Oh, mais c'est clair. Non, le centre était bon. Hein. C'est juste que les joueurs, ils sont allés faire les cons. Ils sont tous allés dans le but, presque. Alors que ça servait à rien d'aller dans le but. Hein. Il faut amener le ballon avec. Hein. Il va pas tout seul, le ballon. Ouais, heureusement que j'ai pas fait sur Pizarro parce que c'était hors jeu, le garçon. Putain, mais. Les types, ils ont des pieds en béton armé, quoi. Mais allez, bien joué. Ça défend bien et pour l'instant, on est toujours pas inquiété par cette équipe. Pourquoi tu reviens à la faute, là? On n'a pas fait de changement. C'est pas tellement l'heure de faire des changements, les garçons. Bon, on va peut-être changer quelqu'un. Allez, Bossetti un peu fatigué. On fait rentrer Iskrov. On va faire rentrer Monsieur Bieler. Attends, Watt Plows c'est plutôt fatigué. On va faire rentrer Monsieur Frager. Monsieur Freezer. Et Finn est un peu fatigué. On va faire rentrer Monsieur Bieler qui n'a pas tellement joué. Là, il n'a pas joué beaucoup plus aujourd'hui, mais. Qui va faire entrer 3 joueurs frais. Qui s'est tiré. On est à combien? 37 mètres, ça fait un petit peu loin.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une bonne puissance? Fraser est pas mauvais. Il est pas mauvais en puissance. Et oui, non mais vous avancez pas comme ça les enfants là. Oh. C'est quoi ce cheat? C'est quoi ce cheat honteux? Alors. Ah, c'est trop court. C'est trop court. C'est trop court. C'est trop court. Oh, Fraser qui se fait gêner là. Qui se fait gêner dans sa défense là. Allez, on reste bien ensemble. Failli être récupéré. Allez, faire attention. Faire attention. Bon, même si on prend un but, c'est pas grave, mais la différence de but est quand même importante. Ça fait, c'est quand même rigolo d'aller marquer plein de buts. Allez, Isgrove qui est tout seul. Isgrove la frappe en entrée de surface. Et le quatrième. Bien joué, Isgrove. Bien joué. Là, tu m'as prouvé que t'es pas un moins que rien. Tu m'as prouvé que t'étais pas un moins que rien parce que t'as fait ce qu'il fallait. Allez, 4 buts à 0. Ouais. Bonne frappe. Bonne frappe. 4 buts à 0 et voilà. Là, c'est fini. Bon, ça fait déjà un petit moment que c'est fini maintenant. Voilà, la victoire, la grosse victoire contre West Warwick Albion, 4 buts à 0. Encore un excellent match de M. Pizarro. Hein. Ouais. Franchement, il est très très bon ce garçon. Ouais. Ouais, Pizarro, voilà. Pizarro, ça m'étonne pas que ce soit homme du match parce qu'il a été très très bon. Il a marqué un but, M. Pizarro, il a fait une passe décisive. Un but de Bossetti, un but de Fine, un but de Pizarro, un but de Isgrove, passe décisive de Ward-Prowse, de ça, c'est de Pizarro. Et c'est tout. Et oui, 3 passes décisives pour 4 buts. Qui c'est qui a marqué tout seul? Allez, 4 à 0, ça fait plaisir. Voilà, qui va conforter, nous faire remonter un petit peu dans le classement. On se retrouve deuxième. On se retrouve deuxième après 4 journées, c'est totalement épique. Il a accepté, d'accord, pas de problème. On se retrouve deuxième après 4 journées. Ça, c'est de la bonne stat. En plus, on a une meilleure différence de but que Manchester. Ah bah, ils n'ont pas marqué beaucoup de buts, hein. Et d'un coup, on est monté, là. Bim. On est passé d'une attaque moyenne à la deuxième meilleure attaque du championnat, quoi. Carrément, carrément. Par contre, on n'a pas la meilleure défense, loin de là. On n'a pas perdu. Ah si, on a perdu une fois, oui, c'est vrai. Et oui, contre Everton. Effectivement, Everton qui est 13ème. Donc, pour le prochain épisode, qu'avons-nous là? Ça, c'est qu'ils ouais, sont tous fatigués, mais ça va aller mieux pour le prochain épisode. On a... Ah d'accord, ben, on a du Aston Villa en championnat. On a à l'extérieur, en Capital One, on a West Ham United 2 jours après. On va faire attention. On fera peut-être jouer les remplaçants sur cette coupe. Parce que bon... C'est bien, il faut faire une bonne saison en championnat, là, essayer d'avoir un bon budget pour la saison prochaine, ce serait très 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 plaisant. Et après on aura 4 jours, on aura Manchester, et après une semaine de repos, on aura Chelsea, et à la fin de la semaine après on aura Manchester, et 2 jours après on aura Liverpool, et après on aura trêve internationale, je suppose, hein, pour qu'il y ait une semaine et demie, c'est qu'il y a trêve internationale. Et ouais. Bon, il y a moyen de faire quelque chose, hein. On a prouvé qu'il y avait moyen de faire quelque chose en 4 matchs, voilà, 3 victoires, une seule défaite. On n'a pas joué des gros aussi. On n'a pas joué des gros, on va se dire ça. Dans les stats des buteurs. Bossetti avec 4 buts, qui est premier ex-aequo. Après, on a qui? On a quelqu'un de chez nous? On a Sassé avec 2 buts. En passeur décisif, on a Sassé avec 3 passes décisives, pardon. On a Finn avec 2, Pizarro avec 2. Et c'est tout dans le top des passeurs. Et en gardien, on a Schuker. Schuker qui a pris, en 3 matchs. Qui a fait une invincibilité sur le dernier match. Le seul match qu'il a joué, en fait. Donc voilà, pour l'instant. Donc on va dire que par rapport à Andoa, c'est un meilleur gardien. Parce qu'il n'a pas pris de but. On va aller jusqu'au match à Aston Villa.
conférence de presse à propos de mon départ. Oui, je sais, mon garçon, je sais. De toute façon, t'as intérêt, t'as pas le choix. C'est pas pour ça que tu vas plus jouer, hein. Mais lâche pas les bottes pour jouer plus, hein. Alexis Bossetti, voilà, qui est deuxième meilleur buteur. Ça fait plaisir. Grosse victoire 4-0. Et West Bromwich sont combien? 18e ouais, en même temps. Et Newcastle est 14e. Ok. Newcastle, c'est deux défaites, une victoire, un match nul. D'accord. Et bien voilà, le programme du prochain épisode. Pour celui-ci, c'est terminé. Je vous remercie de m'avoir regardé. Mettez-moi un like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager sur les réseaux sociaux et à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur FIFA 14 ou sur un autre jeu. Allez, ciao.